Alors que la vision cauchemardesque d'Hitler de dominer le monde s'effondrait, il espérait que des armes miracles pourraient relancer la partie. Les scientifiques allemands ont inventé des véhicules télécommandés, des bombes volantes, des fusées V2, des avions de guerre à moteur à réaction. Et une innovation en avance sur son temps, une bombe appelée Fritz. La Fritz X était lancée par air, guidée sans fil, perforante et hautement explosive, ce qui est considéré comme une bonne chose pour une bombe. Et les Allemands ont réussi à couler au moins un navire italien avec leur Fritz, au moment où leurs anciens amis fascistes venaient de se rendre aux Alliés. En vérité, à ce stade de la guerre, il n'y avait ni la main-d'œuvre ni les ressources nécessaires pour fabriquer suffisamment de super-armes pour sauver le régime nazi. Mais ils ont sauvé certains des scientifiques qu'ils ont inventés, comme Werner von Braun, dont les recherches sur les armes vengeresses propulsées par fusée ont débouché sur une confortable carrière d'après-guerre chez les Alliés. Amener la dernière super-arme en date sur le champ de bataille n'est pas nouveau. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les éléphants étaient la nouvelle technologie incontournable pour les chefs de guerre en herbe. Hannibal n'a même pas été le premier à débarquer en Italie avec eux. Il a simplement été celui qui leur a fait traverser la montagne. Pyrrhus est passé de la Grèce à l'Italie avec ses éléphants, 60 ans avant qu'Hannibal ne fasse la même chose. Et ça s'est bien passé. Si bien que Pyrrhus désigne aujourd'hui une victoire si coûteuse qu'elle équivaut quasiment à une défaite. Les éléphants de guerre avaient fière allure, mais on pouvait s'en débarrasser en utilisant des trucs astucieux comme s'écarter du chemin, comme on le voit dans ce film rare, ou en libérant des cochons de guerre pour les effrayer avec leurs terrifiants cris. En fait, les éléphants étaient même plutôt un handicap, parce qu'ils n'apprécient pas particulièrement d'être poignardés, abattus ou chargés, et ont tendance à s'en prendre aux personnes qui les ont mis dans ce pétrin. L'arme principale d'un conducteur d'éléphant était un marteau et un burin, pour l'abattre s'il commençait à attaquer son propre camp. Si les super-armes animales sont imprévisibles, alors il vous faut sans doute une machine fiable. Mais pour chaque conception révolutionnaire efficace, il y en a une autre qui se comporte de manière aussi erratique qu'un éléphant effrayé par un cochon en feu.